Dernière intervention d'après-midi dédiée au droit international privé. Et c'est Pierre Gondard, doctorant et ATER ici à l'Université d'Orléans, qui nous présente un propos là où la notion de coopération est assez ambivalente finalement en droit international privé, puisque quand on pense DIP, on pense effectivement conflit de juridiction, conflit de loi. Mais le droit international privé repose sur des conventions internationales qui, à l'évidence, ont nécessité une coopération entre États pour émerger. Donc je vous laisse la parole, cher Pierre, pour traiter de la coopération des ordres juridiques étatiques, l'exemple inattendu du droit international privé. Bonjour Madame la Présidente, bonjour à tous. Et mes premiers propos vont faire l'objet de remerciements extrêmement chaleureux. Remerciements à l'égard du comité organisateur pour avoir reçu ma contribution. Remerciements également à l'ensemble des enseignants-chercheurs ayant accepté de présider les diverses interventions. Et puis, remerciements à l'ensemble des personnes administratives sans lesquelles le colloque n'aurait pu se tenir. Et remerciements au demeurant pour le public et pour sa participation à notre colloque. Alors, je vais également, pour ma part, aborder un phénomène de coopération quelque peu spontanée, puisqu'il est question, en effet, de la coopération en matière de droit international privé. Alors, définissons déjà ce qu'est le droit international privé, puisque nous pourrons enfin, après cette définition, aborder la place de la coopération. La réglementation internationale des relations privées, c'est effectivement l'objet même du droit international privé. Le droit international privé a pour objet d'apporter une réglementation satisfaisante aux relations privées internationales. Il y a trois aspects, comme vous le savez, dans ce droit international privé. L'aspect relatif au juge compétent, l'aspect concernant la loi applicable et, du reste, la question de la reconnaissance des jugements étrangers. Il y a de prime abord un hiatus entre la notion de coopération qui vise à un travail en commun, à un travail ensemble, et le droit international privé. Je reviendrai sur ce hiatus dans une première partie, donc ça sera l'objet de mon premier développement, mais nous aborderons dans un second temps que ce hiatus n'est en rien insurmontable. Ce hiatus n'est pas insurmontable et il y a, en droit international privé, une prise en compte d'intérêts réciproques dont le principe fondamental est ce besoin de non-cloisonnement des ordres juridiques étatiques. Ce non-cloisonnement est d'autant plus important qu'à l'heure actuelle, on est dans un monde fortement imprégné de mondialisation, d'échanges économiques, des biens, des services et également des personnes. Il y a donc un accroissement extrêmement important de la mobilité des personnes et c'est là une nécessité sur laquelle le besoin de coopération se fait ressentir. Nous verrons donc dans une seconde partie que le besoin de coopération n'est pas étranger au droit international privé. Il y a une coopération pour le moins implicite en la matière, une coopération quelque peu passive, si je puis dire. Et ce besoin et cette coopération passive nous amènera à nous interroger dans un troisième et dernier temps sur le besoin réel, le besoin de coopération non plus passif, mais plus explicite, plus actif, qui se fait jour entre les États. On verra qu'il se fait jour dans des domaines particulièrement sensibles, protection des mineurs, protection des majeurs incapables. Et nous verrons d'une façon un petit peu plus singulière la manière avec laquelle les États, par ce besoin de coopération, arrivent à monopoliser la scène juridique et la réglementation des relations privées internationales. Alors, première partie sur ce hiatus, sur cette réticence, si je puis dire, prima facie de la matière à prendre en charge la coopération. Alors, quelques exemples qui vont permettre de comprendre cette réticence. Eh bien, le droit international privé, bien qu'il y ait certaines conventions internationales conclues ou certains mécanismes régionaux
de coopération, comme c'est le cas avec le droit de l'Union européenne, eh bien, le droit international privé, c'est une matière éminemment interne. Elle est basée sur le législateur, sur son intervention, et puis, comme c'est le cas en France, sur la jurisprudence. Donc, matière de source interne, matière en plus qui fait la part belle, matière qui fait la part belle à ce qu'on appelle le bilatéralisme, qui postule un exclusivisme de l'ordre juridique du fort, en ce sens que la règle de conflit de loi est bilatérale, elle utilise un facteur de rattachement, la nationalité ou le domicile, par exemple en matière de statut personnel, et c'est ce rattachement qui va mener à une loi étrangère. Mais cette loi étrangère, elle va être appliquée, pour que tout le monde comprenne bien, qu'elle le veuille ou non. C'est-à-dire que le rattachement soit celui ou pas qui est retenu par la loi étrangère. Donc, l'État saisi, le juge saisi, qu'on appelle le fort, eh bien, va appliquer la loi étrangère qui est désignée par sa règle de conflit, quand bien même celle-ci déclinerait, si je puis dire, sa compétence. Donc, seul l'État du juge saisi décide de la juridicité. On connaît l'exemple du renvoi qui postule justement cette absence de coordination, cette absence de coopération au terme de laquelle on ne prend pas en compte la vocation du droit étranger à s'appliquer ou à ne pas s'appliquer. Et ce qui vaut pour la loi applicable vaut également pour la compétence juridictionnelle, c'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un litige entre un Japonais et un Brésilien sur l'exécution d'un contrat, eh bien, il est fort probable que le juge japonais soit compétent pour connaître le litige au même titre que le juge brésilien. On a donc potentiellement deux juges qui vont être saisis concomitamment et donc potentiellement deux juges qui vont rendre des décisions potentiellement contradictoires. Il y a donc une difficulté encore à résoudre et on voit qu'au terme de cette hypothèse, il n'y a aucune coopération dans la mesure où chaque règle, je l'ai dit mais je le répète, chaque règle est fondamentalement interne. Alors pourquoi chaque règle est interne? Eh bien la réponse là encore est assez simple, c'est que chaque État est souverain dans son ordre juridique et la souveraineté a deux versants. Un versant interne, chaque État décide des règles qu'il estime avoir vocation à édicter, et l'aspect externe, c'est que chaque État doit bien évidemment respecter l'indépendance et l'autonomie de ses pairs. Donc, droit international privé, certes, mais droit international privé, si l'on peut dire, dans son coin, chacun pour soi. Chacun décide de ce qu'il doit faire ou pas l'objet d'une réglementation. Donc, c'est la conclusion qui s'impose au terme de cette première partie, mais c'est une conclusion qui, si elle est vraie, puisque j'ai tenté de la démontrer dans les développements qui viennent d'être mentionnée, eh bien, elle a aussi une part d'erreur. Elle a une part d'erreur car si on s'intéresse un petit peu à l'objet même de la matière, eh bien, on va vite se rendre compte qu'il y a une espèce de coopération passive. Pourquoi une coopération passive? C'est l'objet de notre deuxième partie, une coopération passive dans la mesure où, en soi, il y a deux difficultés qui, lorsqu'elles sont conjuguées, nécessitent le recours à des règles de droit international privé. Cette première difficulté, c'est la mobilité croissante des individus. Elle a existé de tout temps, depuis que l'humanité est humanité, depuis que le commerce a vu le jour. Et donc la mobilité croissante des personnes eh bien, fait que celles-ci sont soumises à la disparité des législations nationales. C'est la deuxième difficulté, donc mobilité d'un côté, disparité des législations nationales de l'autre, et eh bien cette conjugaison donne lieu à ce qu'on appelle des statuts qui, potentiellement, par-delà les frontières étatiques, vont changer, vont varier. Donc ces inconvénients font naître un impératif. Cet impératif, c'est celui, globalement, qui concerne la sécurité juridique et en droit international privé, il prend l'appellation d'un besoin de continuité des situations juridiques. Pour que tout le monde comprenne bien, eh bien un mariage qui a été conclu au Japon doit pouvoir être connu en France. C'est-à-dire que le couple marié au Japon doit pouvoir être marié en France, doit pouvoir être marié en Angola, doit pouvoir être marié au Canada, etc. etc. Et l'on comprendrait
bien évidemment et difficilement pourquoi un couple serait marié dans un État et pas dans un autre, etc., etc. On peut multiplier évidemment des exemples. Donc, il y a un impératif, c'est celui de coordonner les ordres juridiques étatiques, et cette coordination fait naître ce besoin de coopération, une coopération passive qui découle de ce besoin de continuité que l'on peut rattacher à la sécurité juridique. Deux exemples vont suffire à se convaincre de cette coopération passive. Je reviens sur le renvoi, c'est le premier exemple. Lorsqu'il est admis, que se passe-t-il? Eh bien, l'état du fort, donc le juge saisi, va abdiquer le rattachement qu'il a choisi pour déterminer le droit étranger applicable au profit du rattachement choisi par ce même droit étranger qui pourtant diffère. Exemple assez topique, l'état du fort choisit la nationalité pour réglementer le statut personnel. Eh bien, l'état national qui est désigné va dire « moi, je ne choisis pas la nationalité pour réglementer le statut personnel, je choisis le domicile ». Eh bien, le juge saisi en premier, donc l'état du fort, va dire « ok, je ne vais pas prendre la nationalité, je vais prendre le domicile parce que, en prenant ce domicile, eh bien, les individus auront plus de chances de reconnaître et de faire exécuter le jugement dans l'état dont le rattachement a été choisi, c'est-à-dire le domicile. Donc il y a, avec le renvoi, on voit très bien un besoin de coopération et un besoin de coordination entre les États au profit exclusivement des personnes privées, des individus. Un deuxième exemple va suffire à conclure sur ce besoin de coopération et à l'illustrer, c'est la litispendance. On connaît la litispendance en matière interne, et bien en matière internationale, elle prend une figure sensiblement similaire, puisqu'on peut avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux juges saisis d'un même litige, donc même partie, même cause, même objet. Eh bien, puisque deux États peuvent être saisis, deux juges différents, le mécanisme de la litispendance va permettre à l'un des deux juges, suivant certains critères, de se dessaisir au profit de l'autre, et donc d'éviter ces disparités et ces jugements potentiellement contradictoires et donc potentiellement problématiques pour les personnes privées. Donc la litispendance, dans la mesure où elle permet un dessaisissement d'un des deux juges, permet une coopération passive entre les États au profit des personnes privées. On voit donc que le besoin de coopération semble au cœur du droit international privé, mais on voit surtout qu'il est en réalité propre à chaque État. Il est en soi-même discrétionnaire, c'est-à-dire que chaque État va décider pour son propre compte de la coopération qu'il décide ou qu'il ne décide pas de mettre en place suivant sa propre logique et suivant ses propres mécanismes. Acceptation du renvoi ou pas, rattachement, domicile, nationalité, etc., etc. On peut toutefois aller un peu plus loin et puis voir dans quelle mesure la coopération eh bien, a des sous-bassements un petit peu plus singuliers et puis dans quelle mesure elle est un peu plus explicite. C'est donc l'objet de mon troisième développement. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, mais je vais creuser un peu le propos. On a certaines situations internationales qui sont sensibles. Qui sont sensibles parce que les personnes impliquées sont des personnes faibles, ce sont des individus faibles, qui nécessite une protection particulière. Eh bien, dans ces domaines sensibles, les États vont conclure, traditionnellement sous l'égide de la haie, des conventions internationales au terme desquelles elles vont réglementer en amont la question de la loi applicable, la question du juge compétent et la question de la reconnaissance et de l'exécution des jugements étrangers. Grâce à ces conventions internationales, eh bien, les États vont coopérer activement et directement pour éviter toute difficulté qui résulterait de ce que j'ai déjà abordé précédemment, c'est-à-dire le caractère national des règles de conflit qui peuvent, entre les États, changer, donc la disparité également des facteurs de rattachement, nationalité, domicile, et puis la multiplicité des juges compétents qui fait qu'il y a une insécurité juridique dès lors qu'on n'est pas face aux juges saisis. Donc, dans cette optique, les États vont coopérer et vont s'entendre en
en amont sur la loi applicable, le juge compétent et la reconnaissance. On voit cette illustration dans des domaines sensibles et on peut aussi se demander, outre ces domaines, si les États ne vont pas un peu plus loin dans la coopération et si ne visent pas à monopoliser la réglementation internationale des personnes privées. Alors, quelques mots sur cette monopolisation. En quoi consiste-t-elle? Eh bien, pourquoi un État va appliquer une loi étrangère? On l'a dit, c'est pour le besoin de continuité des personnes privées. Mais c'est aussi dans l'espoir que les autres États appliquent la loi étatique. Je m'explique. Un État applique les lois étrangères parce qu'il attend indirectement que les États étrangers appliquent à leur tour sa propre loi. Il y a un besoin de réciprocité. J'applique ta loi, mais j'espère que dans des circonstances similaires, tu appliqueras également la mienne. Et cette ouverture des ordres juridiques étatiques, les uns à l'égard des autres, eh bien, crée ce besoin de réciprocité et crée cette monopolisation de la scène juridique. Il y a vraisemblablement un renvoi d'ascenseur. Et indirectement, il y a une monopolisation de la réglementation par les États. Mais cette monopolisation donc, qui fait qu'il y a en réalité une coopération visant à maintenir cette monopolisation, eh bien, cette monopolisation ne doit pas occulter le fait que les États ne sont pas les seuls producteurs de droits. Les États ne sont pas les seuls producteurs de droits. Et ce qui est vrai pour la matière interne, avec les diverses communautés d'intérêt qu'on connaît, l'influence des lobbies, etc., eh bien, est encore plus vrai en matière internationale. Prenons deux exemples qui pourraient illustrer notre propos. Le premier exemple concerne les forces armées révolutionnaires colombiennes, que l'on appelle communément les FARC. Ces FARC disposent d'un territoire, disposent d'une population, disposent d'un gouvernement. On sait qu'elles sont localisées au niveau de la Colombie, dans la jungle, sur des dizaines de milliers de kilomètres carrés. Elles ont donc un territoire, elles ont un gouvernement qui peut parfois même être extrêmement bureaucrate, et puis elles ont évidemment, grâce notamment à leurs combattants, une population. Et ces combattants, puisqu'il peut y avoir des hommes et également des femmes, génèrent à leur tour une population. Un deuxième exemple pourrait être trouvé avec Daesh, bien évidemment, territoire, gouvernement, population. Eh bien, si on laisse de côté la reconnaissance en droit international public, on voit avec ces deux exemples qu'on est face vraisemblablement à des phénomènes normatifs qu'on ne peut pas qualifier d'État, il faut l'admettre, mais qui potentiellement peuvent générer des situations à vocation internationale. Je reviens en Colombie et en ce qui concerne les FARC, eh bien, deux combattants des FARC, un homme et une femme, peuvent se marier, avoir un enfant. Quid si cet enfant émigre, par exemple, au Brésil, au Japon, en Angola? Quid du lien de filiation? Quid du statut de ses parents, etc., etc. Eh bien, la question, vraisemblablement, ne se pose pas, car les États ne reconnaissent que la loi d'autres États et non la loi de phénomènes normatifs privés et de phénomènes normatifs surtout non étatiques. Alors, je ne m'arrêterai pas sur ce qu'il faut considérer comme étant un phénomène normatif non étatique, mais le bilan en soi pourrait être développé et étendu à d'autres exemples, puisque on sait que, par exemple, il y a des acteurs puissants comme le Comité international olympique, les entreprises multinationales, les communautés transnationales religieuses qui produisent à leur manière chacun un droit par-delà les frontières étatiques et un droit qui, dans la grande majorité des cas, excepté certains mécanismes, eh bien, un droit qui reste exclu très singulièrement du droit international privé, qui, grâce à la coopération des États, demeure stato-centré, selon la formule admise dans la matière, c'est un droit exclusivement centré
sur le droit des États, en dépit du fait qu'on assiste aujourd'hui à un accroissement des phénomènes normatifs privés. Alors, on peut se demander si cette coopération visant à asseoir le monopole des États sur la scène du droit international privé est une bonne chose. En tout état de cause, la question reste ouverte et je m'arrêterai là pour mon analyse puisque le temps passe. Et je vous remercie à tous. Merci beaucoup, cher Pierre.